Nouveau séisme au sein de la famille royale britannique. Lors d'une déclaration récente, un ancien officier de la police royale a lancé une étrange diatribe à l'encontre du prince Andrew. Cet homme, qui s'appelle Paul Page, a servi la famille royale pendant 6 ans en tant qu'officier de protection armée au palais de Buckingham. Il a vivement critiqué Andrew, déclarant qu'il était un horrible petit homme qui a quelque chose à cacher. Pourquoi une telle déclaration? Car selon lui, le prince Andrew aurait eu des amitiés avec des trafiquants sexuels condamnés. Pourtant, il assure que le duc ne sera jamais confronté aux autorités américaines ou britanniques, de par son statut. Pour rappel, le prince Andrew est accusé de ne pas avoir coopéré avec la police américaine en refusant de répondre aux questions sur ses liens présumés avec les délinquants sexuels Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Le prince Andrew est un petit homme égocentrique, odieux et horrible. Les commentaires de Paul Page sont intervenus un jour après que Ghislaine Maxwell ait été emprisonnée pour 20 ans pour son rôle dans le recrutement de jeunes filles afin d'en faire profiter son compagnon, le pédophile présumé Jeffrey Epstein. C'est auprès du média The Sun que l'ancien officier royal a fait ses déclarations. Andrew a quelque chose à cacher et il a des questions auxquelles il doit répondre. Mais je ne pense pas qu'il se trouvera un jour dans une position où il devra y répondre à cause de ce qu'il est. Avant de continuer, il a un titre royal devant son nom. Ghislaine ne l'a pas. Où est-elle? En prison. Où est-il? À la maison. Si est-il aussi simple que ça? Est-il un petit homme égocentrique, odieux et horrible qui manque de respect à ceux qui sont en dessous de lui? Des accusations terribles.